C.S.T. Robert Lacey, auteur royal, qui témoigne de la colère du prince William. Le duc de Cambridge se serait mis dans tous ses états après avoir découvert un dossier de détresse compilé par Jason Knopf, chef de la communication du palais de Kensington. C.S.T. dans son livre explosif, Battle of Brothers, que Lacey parle d'un sentiment d'humiliation des membres du personnel. Ces derniers se seraient sentis humiliés par Meghan Markle. D'ailleurs, le prince Harry a également été critiqué par les assistants. J'ai surpris une conversation entre Harry et l'un de ses principaux assistants. Harry hurlait au téléphone, confie un courtisan du palais dans le livre. Robert Lacey souligne que le prince William a été consterné par les allégations de Meghan Markle. Pour le duc de Cambridge, cela clarifie le fait que Meghan était fondamentalement hostile au système royal. Le prince William a piqué une crise lorsqu'il a entendu le dossier de détresse que Knopf avait rassemblé, peut-on lire dans le livre. De nombreux mouvements au sein des royaux, ce dossier secret qui affecte tout particulièrement le prince William survient en parallèle avec plusieurs événements au sein des membres de la famille royale. Selon un expert, le prince Harry n'a pas demandé la vis de la reine avant d'utiliser son titre de HRH sur l'acte de naissance de Lilibet. Sur l'autre rive, on voit Kate Middleton qui donne son soutien à William et à Harry pour la prochaine réunion ayant pour centre la princesse Diana. De son côté, Meghan Markle nie farouchement ses allégations à son encontre. D'ailleurs, un porte-parole des Sussex déclare qu'ils ont été victimes d'une campagne de diffamation. Pourtant, selon Lacey, le prince William aurait immédiatement organisé une confrontation entre le prince Harry et les deux hommes après avoir eu vent du dossier. L'affaire a été portée à enquête par un cabinet d'avocats tiers à la demande de Buckingham Palace. Times through the rough times I